une grande marque forcément de lunettes. Très content d'être en partenariat avec eux. Ça fait quelques années qu'ils se sont lancés dans le tennis, qu'ils soutiennent beaucoup le tennis et j'ai beaucoup de plaisir à faire ces quelques années avec eux. Une photo de moi à Roland Garros Junior, c'était il y a très longtemps, j'avais 17 ans. Premier tournoi qui m'a un peu révélé à la presse, principalement en Suisse, ça a été quelque chose d'assez fort parce que Roger avait perdu très tôt et il restait plus que moi, donc ça reste vraiment un grand souvenir. Je vais prendre le bateau avec Dominique Babre. Forcément, les trois sont probablement très sympas, mais ça m'intéresserait de voir comment ça se passe sur le bateau. Oui, ça restera, je pense, l'objectif de ma carrière, ou en tout cas un but ou un rêve de pouvoir un jour gagner un tournoi en Suisse. Et c'est vrai que Stade, ça a été ma première finale sur le circuit ATP et il me manque un petit truc pour l'emporter. Chaque année est très difficile, mais j'espère un jour y arriver. Ça a été un délire entre potes. J'avais reçu une petite figurine de mon filleul et voilà, pour faire découvrir un peu mon monde, mes voyages, et ben, je me suis baladé toute l'année avec lui et j'ai fait pas mal de photos pour les fans surtout, pour qu'ils puissent voir un peu ce que je faisais. Et je me rappelle bien Arnaud Clément en portait à l'époque, Tipsarevic en porte et une joueuse, je crois que je fais Doval en porte aussi. Une poignée de main avec Roger. Non, c'est une poignée de main spéciale. C'est quand j'ai gagné, la seule fois. ouais, particulier, forcément, ça reste le plus grand joueur de tous les temps, ça reste mon partenaire de Coupe Davis, mon partenaire des Jeux Olympiques. Et voilà, peu de joueurs arrivent à le battre. Moi, ça a toujours été très dur, j'ai réussi qu'une fois sur beaucoup de fois. Mais voilà, je suis très fier de faire partie de la même génération que lui et de la même époque dans le tennis. Ça a été la plus grande émotion de cette année, je dirais. Je crois déjà que c'est un rêve pour beaucoup d'athlètes de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Moi, j'ai participé il y a 4 ans à Pékin, j'ai gagné une médaille en plus d'or. Et voilà, avoir cette récompense, cet honneur de pouvoir représenter la Suisse, ça a été quelque chose de fabuleux pour moi. On va oublier pour la chanson. Rejoignez-moi à l'Open de tennis d'Ockstadt avec Visilab. Gagnez dès maintenant votre place à l'Open de tennis d'Ockstadt.